Bonne lecture. Tu veux arrêter? Tu veux descendre? Oh non! Mais c'est plus marrant! Comment ça se fait que l'eau elle est plus haut? Pour l'oxygène. Mais ça serait, ici, ça serait mieux s'il y aurait des algues, vu que les algues ça fait plus d'oxygène. Comment tu dis? Oxygène. C'est marrant les petites mouches. Oh, il y a des araignées même. On va chercher un poisson plus près. Oh là, 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 papa, il y en a. Juste là. Regarde-le. Qui est au rond. Il passe là, attention. Il est là. Mettons une petite feuille pour voir. Suivez-moi. On va continuer la route. Il va vers là. Allons le poursuivre. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Il est là. Jusqu'à, je suis pas arrivé. On le rappelle. Il va tomber dans le pied. Nous allons passer à l'enregistrement de papa. Voici papa en boivant son thé. Son breuvage. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Voici une voiture rouge. Ben non. Et voici la petite fontaine que nous allons regarder. Non. Regardez, ça c'est des feuilles. Mais une fausse feuille. Regardez cette feuille. Il y a plein de billes. Si on veut regarder de plus près, on peut voir le petit village. Regardez-moi ça. Voici mon père qui fait des petites grimaces à côté du petit village que je vais vous raconter. Voici encore des plantes, mais qui sont vraies. On va essayer de trouver un petit poisson. En voilà. Qui bouge, il n'est pas. Regardez, cela est qui marche. Jusqu'à là, on arrive au petit village. On monte tout en haut. Voici le café où on est. Ah bah non, et voici des plantes. Nous allons passer à mon père qui boit toujours sans thé. Café frappé. Et puis, voilà le poisson qui essaye de se cacher. Il rentre. La petite fontaine, près de la petite maison, plutôt la grosse maison. Le poisson est parti. Vous avez vu? Peut-être qu'on pourrait en revoir un. Voici toujours l'eau. Et qui a changé, les bulles sont plus grosses. Et on voit un petit caillou. La fontaine, bien sûr. Et encore le café et une plante qu'on va regarder. Il y a un trou. Mais ce n'est pas très intéressant comparé à ce qu'on va voir d'autres. Poisson, par exemple. On voit toujours l'eau. On ne voit rien d'autre. Où est-ce qu'il peut être passé? Nous ne le savons pas. Regarde, les feuilles